voilà, on a une magnifique R8 pour commencer. Alors une R8, simple, hein, une R8, qui est déjà pas mal. Hein. Ensuite on a une magnifique Porsche 900 carré 3/4S. 610 chevaux. Exceptionnel avec Yodala 28. Salut. 28. Donc en fait on a à Beaufort et on a quelques belles voitures à vous présenter. Première 900 Turbo S,
On a 4 belles voitures à vous montrer. Plus que 4 à mon avis. Elles sont toutes chaudes. Alors vous aurez une énorme surprise à la fin. La petite surprise quand même. Une belle Continentale, Bentley, magnifique. Je sais pas trop, je m'y connais pas trop en Bentley. Il me semble que c'est une Continentale quelque chose. Regardez-moi cette arrière de badass. C'est peut-être une... Je sais pas. Vous me direz en commentaire s'il vous plaît. C'est Bentley Manchester, donc à mon avis, c'est tout, elles sont toutes immatriculées Grande-Bretagne. Donc ça veut dire à mon avis qu'elles viennent de Manchester. À mon avis, c'est un convoi. Donc attendez, je marche à reculons pour que vous ne soyez pas spoilés par la fin. Alors là, magnifique, GT2 que GT3 ARS, il me semble. C'est un joli beurre parfait. Les gens sont magnifiques. What? Le mec, il a laissé là la portière ouverte. On peut rentrer dedans et se casser avec. Mais on va pas faire. Donc les sièges en carbone. Il y a les arceaux, donc à mon avis c'est pour faire de la course. Ouais. Regardez l'intérieur magnifique. À mon avis c'est une de circuit ça. Oh là 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 là, la chaleur qu'elle dégage. Putain. Donc je sais pas si vous avez vu la suite. Alors la suite, vous êtes prêts? Alors attendez, je filme ici parce que... Une magnifique McLaren. Alors les gens, tout pas mal. Celle-là, la meilleure, c'est... je m'attendais pas à la voir. Ouais, parce que là... Tout diffuseur en carbone. Regardez-moi cet aileron carbone. Aileron carbone. McLaren, immatriculée Grande-Bretagne. Les pots de sa mère. Moi, fois plutôt gros. Il y a de l'avant. Avec en bas les... L'aileron en carbone. Et mec, oh, vous me direz peut-être combien elle coûte, mais... Elle doit coûter dans les... Putain, mais les gens, regardez-moi ça. Regarde, elle s'est prise. Putain. À mon avis, les accélérations qu'elle fait... Ah ouais, ça doit... Pas de la merde, hein. Ouais, ça vaut pas... Donc voilà, putain de dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? On voit bien ça, le bruit. Ça c'est un monstre, je peux vous le dire. Bon. Donc vite fait, on remonte par là-haut pour vous montrer toutes nos trouvailles. Ici, GT3 RS. Moi j'aime bien, sincèrement, les Porsche. Ouais. Bon, après, contre une Maserati ou des machins comme ça. Ça, mais il me semble, c'est un V8 S. La Bentley Motor. Putain, mais ça c'est vraiment un monstre. Hein. Ah, mais tu roules très fort. Elle s'est vraiment bien fait défonce. Donc, je pourrais pas vous dire ce que c'est. Il me semble que c'est une Continental GT. Donc, du moins quelque chose comme ça. Bon, bah voilà, après on va remonter sur la dernière Porsche, donc une GT2 911, je sais plus quoi, Turbo S, ouais, 911 Turbo S, donc aussi je suis pas fan non plus, mais si on m'offre ça, je suis pas contre. Hein. Et nous avons une belle pelouse juste à côté, enfin une belle pelouse plutôt. Donc voilà. Voilà, plutôt pas mal. Plutôt stylé. Donc voilà, à plus les gens. Putain. Donc désolé, en fait je viens de me rappeler, c'est une 675 LT. LP pardon. Ou LT. Non, c'est une 675 LT. Je m'en rappelle. Je l'ai reconnu. Car mon ami, donc le fermier du 73, vu qu'on a fait un vlog avec lui à Monaco, et que je l'ai vu à peu près la même dans le conseil, ça m'a rappelé. Donc c'est une 675 LT. Donc elles appartiennent à un groupe d'anglais. Donc j'ai rencontré le conducteur de la Porsche. Elles appartiennent à un groupe d'anglais. Ou de Dieu, regardez ce qui arrive. Donc voilà, elles appartiennent à un convoi anglais.
Donc voilà. C'est un beau bus. Donc le mec est là-bas. C'est une personne extrêmement riche. Il dit que c'est à ses amis ça. Donc bon bah à plus.